Bonsoir tout le monde, aujourd'hui Fujii, et aujourd'hui, oui, on va parler de l'épisode 2 de mon retour de brocante, de mon retour de farm, et cette fois-ci j'ai farmé Général Traunt pour avoir comme objectif reloot un Recursion aussi joli que celui-ci. Donc un Recursion en x2 et en électrique ou radioactif, irradiant si vous préférez. Alors, l'heure est grave puisque c'est une grande déception. Ma session de farm d'environ 60 Général Traunt a été un scandale. Alors de une, j'ai drop que de la merde, mais alors quand je vous dis mais vraiment rien d'intéressant, mais rien du tout. Et en plus de ça, j'ai eu très peu de chance puisque j'ai loot uniquement 6 récursions. Donc en moyenne, un tous les 10 Général Traunt, donc... Et en plus de ça, les récursions que j'ai drop, et ben c'était pas ouf. Il y en a quelques-uns qui sortent du lot, mais bon, c'est pas ouf. Donc on a eu le premier, ceci, donc dégâts feu et glace. Donc pas en x2, mais 3295 de dégâts. À la fin de la compétence d'action, les deux chargeurs suivants infligent 50% de dégâts irradiants bonus. Bon, il est pas dégueu, mais c'est pas vraiment ce que je recherchais. Moi, c'était vraiment un x2 pour pouvoir profiter de ma compétence... pour dévier encore plus de balles, parce que vous savez qu'en x2 vous tirez 2 galets, ce qui veut dire que vous avez 2 fois plus de chances de propager vos galets, et la récursion est beaucoup plus efficace en x2 qu'en normal. Ensuite j'ai droppé celui-ci, donc lui il est en x2, hein, irradiant, donc on a un peu irradiant et corrosif, donc on a un peu dans mes critères. Le souci c'est son élu, quand vous glissez vos dégâts augmentent 40%, le élu est pas ouf du tout. J'ai drop celui-ci, donc là 2689 de dégâts, c'est très peu, en corrosif et incendiaire. Après une projection de phase, les dégâts de vos armes augmentent brièvement de 250%. Donc moi déjà je ne joue pas en projection de phase, donc je m'en bats les reins. Et puis ben il est pas non plus ouf. On a looté un petit électrique et irradiant. Avec 3145 de dégâts à la fin de la compétence d'action, vous drainez 15% de vie pendant un bref instant. J'en ai rien à foutre de ton élu là. Ensuite, un petit récursion encore, non pas en x2, en irradiant et incendiaire. À la fin de la compétence d'action, les dégâts de zone augmentent de 125% pendant un bref instant. Pour l'instant, c'est celui que j'utilise, c'est pour moi le mieux de ceux que j'ai. Et enfin, on a looté un petit récursion irradiant et électrique de 3295 dégâts. À la fin de la compétence d'action, les deux chargeurs suivants infligent 50% de dégâts de glace bonus, qui n'est pas vraiment dégueu non plus. Mais voilà, c'est pas vraiment les récursions que je recherchais. Moi c'était vraiment un récursion électrique, corrosif, en x2, bah, le même que celui-là en fait, exactement le même que celui-là, avec en élu, attendez, il est où, je l'ai mis en favori, il est où le petit coquin, ah voilà, moi je voulais exactement celui-là, mais en niveau 53, avec le élu à la fin de la compétence d'action, les dégâts des armes augmentent de 100% pendant un bref instant. Du coup, à part ça, et ben, comme je vous dis, j'ai loot, mais alors vraiment rien d'intéressant, mais vraiment rien. Je trouve que Général Traunt, il m'a rien loot, il lootait que des modes de classe bidons, sans élu, ou des artefacts que je m'en battais carrément les reins, c'était des artefacts vraiment pourris. Donc vraiment déçu de ma session farm Général Traunt. Je loot beaucoup plus de récursions sur d'autres boss, comme sur Votan ou sur les Valkyries, pas quasiment tous les coups, mais on va dire une fois tous les 3 coups, je loot un récursion, donc je pense que je vais farmer ça pour dropper mon récursion, parce que Général Traunt, merci. Alors pour ceux qui ne savent pas comment on va avoir notre petit Général Traunt, on se rend à Necrotafeo, encore une fois. Et il faut juste aller dans la première zone, donc confin de la désolation. Vous prenez la station éclair normale, vous faites un petit chemin, tout petit chemin avec un Spiritual Driver, c'est très rapide, vous avez une bande de sauvegarde juste avant. Le seul point négatif, c'est qu'il n'y a pas de zone pour recharger ses munitions, vous êtes obligé de faire les coffres. Ou si vous avez la chance, Général Traunt vous loot des armes. Alors moi je l'ai tué très rapidement grâce aux carrières. Qui a un très bon fusil d'assaut, il est vraiment ouf. Et les dégâts étaient assez insane dessus. Souvent en 20 secondes il tombait, hein. Je mettais plus de temps à m'amuser à faire des no-scopes avec mon, Mon Within Invitation sur les mobs qui étaient à côté du Général Traunt, c'était vraiment pour m'amuser en faisant no scope, flash cop, pour dire faire des bons petits trucs, tu vois. Mais sinon, voilà, il est très rapide à farm, mais bon, au final, il m'a apporté que dalle. Voilà. Voilà mon deuxième épisode de retour de session qui n'est pas très fructueux, hein, on n'a pas fait grand chose, comparé à mon premier où il y avait Atomic et Sylvestro qui m'ont régalé, mais alors lui, par contre, Général Traunt, il m'a pas du tout régalé, il m'a fait dégueuler même. Du coup, voilà. Est-ce que j'ai pas eu de chance, ou est-ce que la plupart des gens qui ferment ce petit général ont plus de chance que moi, mais moi, personnellement, eh ben, je ne referai pas de session farm dessus, j'essaierai de dropper mon Recursion moi-même sur d'autres boss. Sachant que j'en ai quand même eu des pas mal du tout qui font le café. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ce petit deuxième épisode vous aura plu, puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Allez, bisous tout le monde, ciao ciao, bye bye.